Grandement médiatisé, Pierre Palmade a été impliqué dans un accident de voiture mortel. Mortel pour 4 personnes. Ce 8 mars 2023, Cyril Hanouna a fait certaines révélations sur l'état de santé de l'humoriste dans TPMP, sur C8. Rappelons que Pierre Palmade a fait un AVC. Un incident qui a beaucoup fait parler puisque sur la même émission sur C8, la journaliste Myriam Palomba avait avancé l'idée qu'il aurait peut-être simulé son AVC pour éviter la prison. D'ailleurs, sur sa page Twitter, elle avait affirmé que Pierre Palmade aurait été écroué par le JAP sans son AVC, comme le rapporte Legossip. Net. Sur Touche pas à mon poste, la discussion autour de l'affaire Pierre Palmade a commencé avec Julien Lepay. Julien Lepay soutient Pierre Palmade, mais déclare qu'il est déjà mort selon lui, pouvait-on lire à l'écran. Le sujet global gravitait autour du lynchage médiatique autour de Pierre Palmade actuellement. Après des échanges avec ses chroniqueurs, Cyril Hanouna a fait des révélations sur l'état de santé de l'humoriste. La vie ci a été extrêmement violent, avait annoncé Cyril Hanouna en ajoutant, si est-il ce que disent également les médecins et des personnes, dans l'affaire un peu. Des policiers qui sont dans l'affaire. Le présentateur a affirmé qu'il avait fait sa petite enquête. Pierre Palmade, les internautes n'hésitent pas à exprimer leur colère face à l'hypothèse d'une possible simulation d'AVC avancée par Myriam Palomba. Les internautes, choqués, n'ont pas hésité à s'exprimer sur la situation. Ce qu'il a fait est ignoble. Ce qui est arrivé à cette famille est tout à fait horrible, avait commenté un internaute. Mais faire croire que son AVC est truqué quand on sait ce qu'il a consommé avant, si est-il vraiment stupide. Il est vraiment mal en point et a une famille lui aussi, ne l'oubliez pas, madame, avait commenté un autre. L'affaire se poursuit. I'm sorry.